Sur la G-Trek 4 de Millet, donc G-Trek, donc c'est une chaussure de trek qui permet d'aller en altitude en montagne. C'est une chaussure que j'ai testée dans la neige, en raquette, sur des petites voies d'alpinisme et dans des décors, dans des parcours sauvages où il n'y avait même pas de sentier, avec des conditions de sol sec mais aussi mouillé. Donc c'est une chaussure qui a une très bonne accroche et surtout une très bonne prise du talon. Là il y a vraiment un maintien de pied et un confort qui va bien. C'est relativement large, enfin c'est un chaussant médium plus on va dire, c'est relativement large. On peut rajouter une semelle amortissante facilement compte tenu du chaussant. La semelle m'a donné complètement satisfaction encore aujourd'hui là, dans des parcours où il y avait des loses assez glissantes. J'ai bien testé à la fois sur l'écart et en appui frontal. C'est une semelle qui est sécurisante. Bon, c'est le type de semelle qu'on retrouve sur les chaussures d'alpi. La souplesse est moyenne, hein. C'est quand même une chaussure de montagne relativement rigide, mais ce ne sera pas la rigidité des chaussures d'alpinisme, ce qui permet justement de se mettre sur le coup de pied et d'avoir une bonne accroche sur des terrains divers, quoi. Voilà, c'est une chaussure qui est relativement légère, et pour moi, son point fort, c'est la tenue du talon, le confort général, l'accroche, donc une chaussure assez sûre, qui a une membrane Gore-Tex, que j'ai testée dans la neige en raquette cet hiver, qui m'a donné satisfaction. Voilà. Donc la G-Trek 4, évidemment, il y a tout un tas de zones en néoprène, et c'est doublé en Nubuck. Mais il y a une certaine souplesse quand même et la liberté de cheville. Moi j'aime bien parce que ça reste quand même dans le maintien, quoi. C'est pas complètement ouvert. Et c'est une chaussure qu'on peut, à mon avis, facilement équiper de crampons à lanière. Il n'y a pas de débord arrière pour pouvoir faire des petites courses d'alpinisme faciles ou de la rando glaciaire.